Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser un gâteau à la fraise et à la rhubarbe, moelleux à l'intérieur, croustillant sur le dessus avec un petit crumble. C'est parti pour la recette. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Dans un premier temps, vous travaillez le beurre qui doit être bien mou au fouet. Ensuite, on ajoute le sucre et on crème bien le tout. Maintenant, vous allez pouvoir ajouter les œufs. Vous mélangez bien, sans trop fouetter non plus. Et enfin, vous ajoutez la farine, la poudre d'amande, le sel et la levure chimique. Vous mélangez bien, on obtient une belle pâte. Ensuite, j'ai lavé, équeuté et coupé en petits dés les fraises. Et j'ai fait de même pour la rhubarbe. Pensez à bien éplucher la rhubarbe. J'ajoute les morceaux de rhubarbe dans la pâte. Vous mélangez bien, on peut avoir l'impression qu'il y en a trop, mais vous allez voir, la pâte va gonfler à la cuisson. Je verse la préparation dans un cadre beurré et fariné de 20 cm de côté, que j'ai posé sur une plaque, sur une feuille de cuisson, donc silicone ou papier cuisson. J'étale bien et ensuite je viens déposer les morceaux de fraises. Maintenant je prépare le petit crumble, donc c'est très simple. On mélange le beurre qui doit être à température ambiante avec la cassonade, la farine et la poudre d'amande. Vous mélangez bien à la main l'ensemble pour bien rentrer les poudres dans le beurre. Et on l'émiette ensuite un petit peu pour avoir cet effet crumble. On vient le déposer un petit peu partout, au-dessus des fraises. Et ensuite, vous allez pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Le four est en chaleur tourmente pendant 40-45 minutes environ. À la sortie du four, je retire le cadre, donc j'ai passé un couteau avant sur les bords. Je glisse le tapis sur une grille et je laisse refroidir totalement. Vous pouvez le manger aussi tiède, c'est comme vous le souhaitez. Pour ma part, je le découpe en petits carrés, ce qui me donne 9 parts. Je saupoudre les bords de sucre glace, je dépose au-dessus de chaque part une demi-fraise. Pensez à napper les fraises si vous ne les mangez pas tout de suite. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez le manger froid ou alors un peu tiède avec une glace à la vanille, ça c'est très très bon. On a le petit côté acidulé de la rhubarbe avec la fraise. Je trouve que c'est super frais en bouche et ça reste quand même gourmand. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous testez la recette. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.